Enregistrement. Ok, bon, allez. Je fais un bonsoir général à tous ceux qui sont pas là. Et surtout à celui qui est là. Pour donc cette session de Kundalini Yoga, Kriya pour évacuer colère, sa colère intérieure. Hop, donc on s'installe confortablement. Alors, je vais baisser, non, ça va, on voit bien. Donc, on s'installe confortablement. On n'hésite pas à prendre un petit coussin, un petit tabouret ou quoi, une brique sous les fesses pour s'asseoir le dos bien droit. Et on va faire donc notre mantra d'ouverture. Allez, on s'installe confortablement, le dos droit, la tête droite. Poussez index joint, paume des mains vers le ciel, les yeux fermés. La musique qui ne veut pas. Pardon. On reprend. Ah mince, je ne pas rester. Allez, on s'installe le dos droit, la tête droite. Oh mince, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah pardon, c'est parce que je suis en... Je vais me mettre en mode avion, normalement ça devrait aller. J'espère que ce n'est pas l'ordinateur qui essaie de se capter dessus. C'est le Bluetooth. Oui. Pardon, allez, on est reparti. Il n'a jamais fait ça, en fait. C'est vraiment le bug de fin d'année 2020, là. Ah oh, mince, il essaye de se capter. Je vais voir à côté. François, t'as ton c'est embêtant. Ça ne l'a pas fait. Et... Bon, ça a l'air de marcher. On reprend. Allez, on s'installe confortablement. Le dos droit, la tête droite, poussez index joint, paume des mains vers le ciel, les yeux fermés. Tu viens prendre conscience de l'air qui rentre et qui ressort par tes narines. L'air, c'est le prana, la force vitale. À l'inspiration, ton ventre se gonfle légèrement. À l'expiration, ton ventre se dégonfle légèrement. Ta mâchoire et ton front sont détendus. Ta langue est décollée de ton palais. Tes yeux convergent sous tes paupières comme pour regarder la pointe de ton nez afin d'activer l'énergie du troisième œil, le point de rencontre entre tes sourcils sur la ligne médiane de ton front. Active l'énergie du troisième œil, liée à l'intuition, à la confiance et qui aide à la concentration. Tu viens t'ancrer à la terre, tu remontes tout le long de ta colonne vertébrale pour te connecter au ciel par le sommet de ton crâne. Connecte la terre et le ciel, grandis-toi. Tu es ici et maintenant pour toi. Si des pensées rentrent, tu les laisses ressortir. Tu peux te poser cette question et y répondre intérieurement. Pourquoi suis-je ici? En
En guise d'ouverture, nous allons chanter le Om Namo Gurudev Namo. Nous allons prendre trois grandes inspirations. Et à la troisième expiration, nous chanterons le Om Namo, donc Om plutôt nasal, Namo plus bref, Gurudev en souriant, et Namo plus bref. Nous le chanterons trois fois. Première inspiration, inspire, gonfle ton ventre, ta poitrine. Bouche fermée, langue décollée de ton palais, expire en profondeur. Essaye d'activer la colonne d'air en Ujjayi. Deuxième inspiration, inspire. Expire en profondeur. Dernière inspiration avant le Om Namo, inspire. Et ensemble. Om Namo Gurudev Namo. Deuxième fois, inspire. Et ensemble. Om Namo quelques instants, ressentir les bienfaits des vibrations du Om Namo Gurudev Namo dans ton corps, dans ton corps. Inspire. Expire. Tu veux prendre tes deux jambes à l'avant, secouer les genoux, t'entends pas. Si tu as besoin. Et on va se mettre en position à genoux. On t'entend pas. Je m'entends pas? Non, t'entends plus là. L'ordinateur qui souffle ou tu m'entends pas du tout? Je t'entends beaucoup moins. Beaucoup moins? C'est bizarre parce que là j'ai rien changé. Et là? Là ici, là oui. C'est revenu? Là je t'entends ici, mais là-bas beaucoup moins. Je sais qu'au Hatha Yoga, il y a eu un petit souci comme ça vers la fin du cours aussi et on ne m'entendait plus trop. D'un seul coup, là-bas. Et là, ça va? Là, oui. Là, oui. Bon, écoute, on va faire comme ça. Hein. On se dit que c'est la dernière. On essaie de rouvrir le 4 janvier. On espère. Ok. Allez, on se met en position à genoux. La technologie. Allez, entrelace les deux mains, inspire, pousse les paumes des mains vers le ciel, monte les épaules près des oreilles, absorbe le nombril, maintient l'inspiration, reste. Et relâche les épaules, plie les coudes, expire, tire les bras vers l'avant, le dos vers l'arrière, le menton contre ta poitrine, relâche la tête, la nuque, les cervicales, et tire les omoplates. Approche les paumes des mains vers toi, inspire. Pousse les paumes des mains vers le ciel, absorbe le nombril, monte les épaules près des oreilles. Expire, ouvre les bras, pousse les mains loin derrière. Encore, inspire. Monte au plus haut, plus haut, plus haut, absorbe le nombril. Expire, ouvre les bras loin derrière. Rapproche les omoplates. Rotation des épaules, inspire, expire. De l'avant vers l'arrière. Et de l'arrière vers l'avant. Et on inspire, on monte les épaules vers les oreilles. Et on expire, on relâche. On expire, on inspire, on monte. On expire, on relâche. Souffle par les narines, inspire. Et expire par les narines.
trouves ton rythme. Décolle bien la langue de ton palais. Si tu peux, garde les yeux fermés, connecté au troisième œil. Et inspire, monte les épaules près des oreilles, maintiens l'inspiration, reste. Et expire, grande rotation des épaules vers l'arrière. Relâche, reste quelques instants, observe les sensations dans ton corps, dans ta tête. Inspire, expire, reviens tendre les deux jambes à l'avant, secoue les genoux, les chevilles si tu as besoin, n'hésite pas à faire taper les talons dans le sol. Frappe les deux gros orteils en contact. Et on se remet en position en tailleur. On place les mains sur les chevilles, les coudes en ouverture. À l'inspiration, j'ouvre la poitrine, je redresse le menton. À l'expire, je relâche tout à l'arrière. Le menton contre la poitrine, je retiens le haut du corps avec mes mains sur les chevilles. Inspire haut, expire ferme. Inspire par les narines, expire par les narines. Les yeux fermés, connectés au troisième œil. Trouve ton rythme, relâche bien les épaules. Ouvre la poitrine à l'inspire. Suis le mouvement avec la tête. De manière dynamique, trouve ton rythme. Continue, inspire, expire. Active l'énergie de ta colonne vertébrale, de tes reins. Inspire, ouvre, maintiens l'inspiration, reste. Relâche bien les épaules, tire les omoplates loin derrière. Expire, menton contre ta poitrine, relâche la tête. Relâche le dos à l'arrière. Et inspire, reviens le dos droit, la tête droite, paume des mains vers le ciel. Reste quelques instants, les yeux fermés, observe les sensations dans ton corps, dans ta tête. Inspire, expire, tu peux revenir tendre les deux jambes à l'avant, secoue les genoux, les chevilles. N'hésite pas à écarter un peu les fessiers de chaque côté pour bien avoir la pointe des os des fessiers dans le sol. Les genoux légèrement fléchis, les talons dans le sol, les pieds flex. J'inspire, je monte les bras au niveau des oreilles, j'allonge la colonne vertébrale et j'expire, je vais essayer de me pencher vers l'avant. Les doigts toniques, je viens le long de mes jambes. Masser le long de mes jambes. J'inspire, je monte et j'expire. Je relâche tout sur mes genoux. Je reviens lentement. Poumon vide. Inspire. Expire. Poumon vide. Je reviens le long des jambes. Inspire. Expire. Trouve ton rythme. Expulse bien l'air par les narines, les yeux fermés. Langue décollée de ton palais, connectée au troisième œil. Allonge la colonne vertébrale. Encore. Desserre bien la mâchoire. Thank you.
Encore. Trois derniers. Le dernier, tu inspires, tu te grandis, tu te redresses, absorbe le nombril et expire, viens te pencher loin devant si tu peux, attrape l'arrière de tes pieds. Garde le dos droit, rentre le menton, ouvre la poitrine. Inspire, tête vers le ciel. Expire sur les genoux. Inspire, tête vers le ciel. Expire sur les genoux. Inspire haut. Sans redresser le dos, en ouvrant la poitrine, toujours en éloignant les épaules de tes oreilles, en rapprochant les omoplates à l'arrière de ton dos. Trouve ton rythme, inspire, expire par les narines. Soit les mains de chaque côté de tes jambes, soit l'arrière de tes genoux. Trouve le confort pour ton dos. Encore, inspire, expire. Relâche bien la tête. Inspire, tu restes tête vers le ciel. Expire en douceur. Relâche bien tout le haut du corps sur tes deux jambes. Relâche la tête. Relâche les tensions dans tes jambes. Relâche. Le menton contre ta poitrine tout doucement. Déroule ta colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Prends ton temps. Déroule tout doucement. Revenir le dos bien droit, la tête droite et en position en tailleur. N'hésite pas à rester la tête un petit peu vers le bas. Tu sens la tête qui tourne. C'est normal. C'est pas très grave, mais ça peut créer des vertiges. Donc, pour remédier à ça, n'hésite pas à baisser un petit peu la tête. On va partir sur nos rotations. Mains sur les genoux, les coudes ouverts sur les côtés. Inspire à gauche. Donc, je suis en miroir par rapport à vous. Inspire à gauche, laisse partir le haut du corps à l'avant. Expire à droite, monte contre ta poitrine. Retiens le haut du corps derrière avec les mains sur tes genoux. Inspire, gonfle ton ventre. Laisse partir le haut du corps. Expire, absorbe le nombril contre les lombaires. Inspire, expire. Suis le mouvement avec la tête, le menton. Garde un léger sourire sur ton visage. Les yeux fermés, connectés au troisième œil. Installe-toi dans ta rotation, dans ton rythme. Expulse l'air par les narines. Observe que tu passes d'un fessier à l'autre. Mâchoire toujours détendue, langue décollée de ton palais. Installe-toi dans une rotation fluide et tranquille. Tu peux toujours t'aider dans du mantra Sat à l'inspire et Nam à l'expire intérieurement. Sat. Nam, Sat, Nam. On va la voir à la fin de notre session d'ailleurs, la méditation du Sat Nam. Continue, inspire et expire. Assouplis bien la colonne vertébrale. Continue. Encore. Accélère le mouvement si tu peux. Observe le massage que tu fais à ton ventre, ton système digestif. Et à la prochaine inspiration, tu reviendras le dos droit, la tête droite. Inspire, reviens le dos droit, la tête droite. Maintiens l'inspiration, reste.
Expire, change juste de jambe à l'avant. Replace les mains sur tes genoux et on enchaîne de l'autre côté. Inspire à droite. Ouvre la poitrine, laisse partir le haut du corps à l'avant. Expire à gauche, menton contre ta poitrine, relâche le haut du corps à l'arrière. Retiens avec tes mains sur les genoux. Inspire, ouvre. Expire, referme. Inspire par les narines. Expire par les narines. Inspire, ton ventre se gonfle. Expire, absorbe le nombril, ton ventre se dégonfle. C'est de bien relâcher la mâchoire. Langue décollée de ton palais. Les yeux fermés, connectés au troisième œil. Inspire et expire. À ton rythme, installe-toi dans une rotation fluide et tranquille. Toujours connecté au troisième œil et tu peux t'aider du mantra à l'inspiration Sat, à l'expiration Nam. Sat, Nam. Sat, Nam. Continue. Observe le massage de ton système digestif. Continue. Si tu peux accélérer un petit peu le mouvement. Observe que tu passes d'une face à l'autre. Laisse partir le haut du corps à l'avant. Retiens-le à l'arrière. Et la prochaine inspiration, tu reviendras le dos droit, la tête droite, inspire, reviens. Maintiens l'inspiration, reste. Et tout doucement, expire, retourne les paumes des mains vers le ciel, les yeux fermés, relâche. Observe les sensations dans ton corps, dans ta tête. Inspire, expire, tu vas tendre les deux jambes à l'avant, secoue les genoux, les chevilles et on va se mettre en position debout. En position debout, on va écarter nos deux jambes et on va tendre les deux bras et on va aller essayer de rejoindre le pied avec la main opposée. Donc, j'inspire en haut, je garde les deux bras en ouverture, j'expire, je vais regarder vers mon pied opposé, j'inspire, je reviens. J'expire, je vais vers le pied opposé. Si c'est trop bas, tu vas sur la cuisse. Inspire, expire, inspire au centre et expire vers le bas. Écoute ton corps, étire bien les doigts, relâche bien les épaules, engage le périnée. Inspire au centre et expire. Inspire, expire, inspire et expire. N'hésite pas à plier les genoux si c'est trop difficile, jambes tendues. Sers-toi de l'impulsion, de l'inspiration pour remonter. Souffle vers ton genou, par les narines. Ancre bien les pieds dans le sol. Les talons, les orteils. Trouve ton rythme. Encore inspire, expire. Garde le sourire. Encore une fois de chaque côté. Et inspire, tu reviens, tire bien les doigts. Expire, place les mains sur les épaules, les pouces vers l'arrière, les épaules relâchées. Rassemble un petit peu les deux pieds.
de fléchir un peu les genoux. Inspire à gauche et expire à droite. À gauche pour vous, sexy. Inspire à gauche, expire à droite. De manière dynamique, fléchis les genoux, ancre bien les pieds dans le sol. Langue toujours décollée de ton palais. Si tu peux, tu fermes les yeux. C'est de garder les coudes à la hauteur de tes épaules. C'est trop difficile, les mains sur les épaules. N'hésite pas à mettre les mains de chaque côté de la poitrine. Trouve ton rythme. Et à la prochaine inspiration, tu vas tendre les deux bras, les paumes des mains jointes. Inspire vers le plafond. Joins les deux paumes des mains. Je plie les genoux, tu vois. Inspire, maintiens, maintiens, maintiens l'inspiration. Plus haut, plus haut. Expire, tire les bras loin derrière. Reste debout, hein, c'est juste que moi ça coupe un peu. Encore une fois, on inspire, paume des mains jointes. En namasté, absorbe le nombril, essaie de plaquer les bras au niveau de tes oreilles. Et tu expires. Chercher les bras loin derrière. Super. On passe en position à quatre pattes pour finir sur l'échauffement. Donc, dans, pour le dos, on inspire, dos rond. Expire, relâche, dos creux. De manière dynamique. Inspire, dos rond. Expire, dos creux. Le poids du corps ne bouge pas. Il est également réparti dans les genoux, dans les mains. Je n'ai pas le poids du corps qui part à l'avant, à l'arrière. C'est que le dos qui arrondit, qui se relâche avec le petit mouvement du bassin. Inspire à l'intérieur, expire vers le ciel. Encore, inspire, expire. Assouplis bien la colonne vertébrale. Prochaine inspiration, tu restes dos rond, inspire dos rond. Expire dos creux, redresse la tête. Les bras bien tendus. Et tout doucement, reviens t'asseoir sur tes talons si tu peux, sinon en position antérieure, paume des mains vers le ciel. Rentre légèrement le menton, inspire, expire, observe les sensations dans ton corps, dans ta tête. Prends le temps d'observer ce qu'il se passe à l'intérieur, les énergies qui circulent. Et tu vas t'allonger sur le dos, si possible en passant sur le côté droit, pour te mettre en Shavasana. Donc on a la position sur le dos, les mains à l'arrière de ta tête, les genoux, pose le crâne dans le sol, relâche les jambes, relâche les bras, paume des mains vers le ciel, relâche. Tu relâches et tu vas faire un puissant ronflement pendant 1 minute 30. Donc toujours pour travailler donc sur cette session donc de kriya pour évacuer sa colère intérieure. La colère intérieure retenue est la base pour des complexes d'infériorité ou de supériorité, de la manipulation et des mensonges, de maladies de peau et de comportements faussés. Cette colère empêche d'établir une relation saine avec soi-même. Donc, il vaut mieux évacuer sa colère. Hein. Ça, j'en ai parlé un petit peu en tout début de séance. Il vaut mieux parfois être explosif et redescendre que de tout garder, tout garder, tout garder et puis d'évacuer d'un coup
Et là, ça peut faire très mal. Hein. On peut se créer des lumbagos. Enfin, il y a vraiment beaucoup de soucis qui viennent dû à une colère qui reste à l'intérieur. Donc là, pendant 1 minute 30, tu vas faire le ronflement. Un grand ronflement. Tu relâches bien. Les yeux fermés. Et ouvre bien la bouche pour ronfler. Quitte à bâiller un petit peu. Bouger ta mâchoire dans toutes les directions. C'est pas sonorisé. Un bon gros ronflement. De tout relâcher dans le sol, dans la terre. Laisse-toi ronfler fortement, puissamment. En position allongée, Shavasana, relâche bien. Tes jambes sont lourdes, tes bras sont lourds, ton corps est lourd. Et tes pensées sont vides. Tu es ici et maintenant. Et tu te focalises sur tes ronflements. Plus que 15 secondes. Laisse-toi bâiller si tu sens les bâillements arriver. Allez, dernier gros ronflement. Oh, laisse-toi bâiller si tu le sens. Ah. Ah. Tu relâches. On va rester dans cette posture allongée. On va faire une posture sur le dos qui sert à équilibrer la colère. Alors, on est allongé sur le dos. On va placer les mains sous les fessiers et on va décoller nos deux jambes. Mais à peine donc de 15 cm. Privilégie les mains sous les fessiers. Si tu sens que ça tire trop au niveau du bas du dos, là, surtout pour les femmes, mais il y a des hommes aussi cambrés. Donc, si on a le dos cambré, n'hésite pas donc soit à faire une rétroversion du bassin donc avec les mains sous les fessiers, le menton bien rentré, étends les deux jambes et tu les décolles de 15 cm, grand max. Et tu inspires et tu expires en profondeur. Et on va rester pendant 1 minute 30. Décolle bien la langue de ton palais. Inspire en profondeur. Expire en profondeur en essayant de te servir de cette respiration Ujjayi au pied, donc par cette colonne d'air. Continue, inspire, expire, les yeux fermés, connecté au troisième œil. Évacue toute la colère intérieure. Sens le ronflement intérieur, naturel, sans le forcer, qui est là. Desserre la mâchoire, détends tes joues, détends tes lèvres, détends ton front, tes sourcils et continue. Les jambes décollées de 15 cm du sol. Inspire et expire. Que 10 secondes. La prochaine inspiration, tu montes les jambes vers le ciel, vers le plafond, inspire. Les jambes vers le plafond et tu vas relâcher les bras de chaque côté de ton buste. Les jambes sont tendues vers le plafond. On enchaîne directement sur 1 minute 30. Et on va frapper avec nos mains le sol en sentant qu'on va
en lâchant les colères intérieures. Vraiment, sens que tu vas frapper avec les mains dans le sol. Et là, ouais. Donc, essaye d'être assez rapide dans les mains, dans le frapper. Donc, pareil, sur 1 minute 30. Puis, on redescendra nos deux jambes, les mains sous les fessiers. On va enchaîner 15 cm décollé. Et là, on va faire la respiration du feu en sortant la langue. Donc, premier temps, on est ici, jambes tendues. On frappe le sol pendant 1 minute 30. Puis, on remet les mains sous les fessiers, les jambes parallèles au sol. Et 1 minute 30, respiration du feu. On est parti. Je mets le chrono. Les jambes vers le plafond. Inspire, expire profondément. Et frappe le sol avec les mains. Garde toute la colère intérieure. Relâche bien ton visage. Garde un sourire sur ton visage. Le sol. Allez. Continue. Continue. Apprends le sol. Encore, encore, encore. Continue, continue. Continue. Plus de 15 secondes. Inspire, expire, les mains sous les fessiers, les deux jambes à 15 cm du sol, ouvre la bouche, sors la langue, respiration du feu pendant 1 minute 30. Sors bien la langue, inspire, expire par la bouche. Gonfle, dégonfle le ventre, les yeux fermés. Les jambes décollées de 15 cm du sol à peine. Encore, continue, inspire, expire par la bouche. Inspire, expire. 10 secondes. Inspire, expire. Replie les deux jambes sur ton buste, entrelace avec tes deux bras. Replace les mains sur tes deux jambes. Et pareil, on va sortir la langue. Tu vas inspirer dans les narines. Pardon. Tu vas inspirer par la langue. Inspire par la langue. Et ferme la bouche. Expire par les narines. Inspire par la langue. Et souffle par les narines. Reste les yeux fermés, les deux jambes sur ton buste. Et on est parti pour 1 minute 30. Sors la langue, inspire. Ferme la bouche, expire par la bouche, par les narines, pardon.
Inspire par la bouche. Expire par les narines. Inspire par la bouche. Expire par les narines. Sors bien la langue. Continue à ton rythme. Les yeux fermés, toujours connectés au troisième œil. Continue. Continue, inspire par la bouche, expire par les narines. Et inspire par la bouche, expire par les narines, tourne-toi sur le côté droit pour revenir en position assise à genoux, les deux genoux se touchent, tu vas écarter les talons de chaque côté, n'hésite pas à mettre un support, donc soit des briques, soit un petit tabouret ou un coussin, roule les mollets vers l'extérieur. Si tu n'as rien besoin, tu viens t'asseoir ici entre tes talons. C'est de garder les talons sur l'extérieur. Si les genoux s'ouvrent un petit peu, ce n'est pas trop grave. C'est de sentir que tu es dans une posture confortable avant tout. On va croiser nos deux bras. Et on va venir se pencher vers l'avant et essayer d'aller toucher le front dans le sol. Alors, le front, il va être un peu, ça peut paraître un peu loin ici. Moi, je ne peux pas le faire, par exemple. Donc, on n'hésite pas s'il faut. Je vais rajouter quelques hauteurs aussi pour moi. Non, je ne vais jamais toucher le sol. Donc, l'idée, c'est quand même que le front vienne taper le sol. Alors, vous faites pas mal. Pareil, tu peux mettre un coussin. Si tu n'es pas à l'aise, si tu as un carrelage ou quoi au caisse, on ne cherche pas à se faire mal, évidemment. Mais on essaye donc, d'aller toucher le front dans le sol. On croise les mains donc sur les bras. J'inspire, je me redresse. Expire, je touche le front. C'est vrai que là, il montre. Alors, les bras vont se relever pour toucher le front. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Donc, ça va faire ça, hein, la posture. Essaye de le faire le plus rapidement possible. Au départ, fais-le lentement. Et on accélérera un petit peu le mouvement. Et sur 1 minute 30. Inspire en haut. Expire le front dans le sol. Inspire, expire. Les yeux fermés, connectés au troisième œil. Encore, continue à ton rythme. Si c'est plus facile avec les mains de chaque côté, n'hésite pas à mettre les mains de chaque côté. Attention avec la tête qui touche le sol, c'est de ralentir la descente. Sinon, mets un coussin, n'hésite pas à mettre le coussin pour ne pas se faire mal au front. C'est aussi un petit peu pour la colère, toujours, hein, la colère qui se bloque aussi donc, dans nos cerveaux. Donc, relâche bien les pensées, les yeux fermés, connecte au troisième œil. Bras croisés ou mains de chaque côté. Et on essaie d'accélérer un petit peu le rythme pour les 15 dernières secondes. Encore. Et prochaine inspiration, tu restes en haut. Expire, tu restes le front dans le sol. Reste
Place les mains de chaque côté de ton visage, pousse dans le sol, redresse le haut du corps. Tout doucement, progressivement. Et tu as commencé à te tapoter toutes les parties de ton corps. Tu as commencé par les pieds, les talons. Tu viens tapoter. Tu as utilisé les poings là sur le dos de tes pieds, enfin la plante du pied. N'hésite pas à venir soit caresser si tu es plus confortable avec des caresses, mais essaye de tapoter un petit peu toutes les parties de ton corps. Si tu es plus confortable, rassieds-toi en position assise, les jambes tendues à l'avant. Sur une chaise, sur un tabouret. N'hésite pas, voilà. Bien tapoter toutes les parties de ton corps. Vas-y en douceur aussi, hein. Et bienveillance, bien sûr. Te tapoter un bras puis l'autre bras, la main aussi. Hein. La nuque et cervicale. Sur la tête, tu peux y aller avec la pointe de tes doigts. Sur les côtés de la tête, la nuque, derrière les oreilles. Les oreilles aussi, hein, tu peux y aller. La mâchoire, le menton, les joues, le dessous des yeux, le nez, chaque toison nasale, le bas du troisième œil, le front, les sourcils, les tempes. Tapote un peu partout. Et relâche. Relâche. Tu peux relâcher aussi en... comme si tu te nettoyais vraiment de partout. Relâche. On nettoie. On enlève ces colères intérieures. On les évacue plus. Et reviens tendre les deux jambes quelques instants. Si tu as besoin, secoue les genoux, les chevilles. Et on va arriver donc à se mettre donc dans une posture où nous allons donc chanter un mantra qui est Guru, Guru, Wahe Guru, Guru, Ramdas Guru. Guru, Guru, Wahe Guru, Guru, Ramdas Guru. Donc je vais mettre le fond sonore. Déjà pour s'habituer au mantra. Alors, normalement, je vais. J'ai pas mon petit cahier ici. C'est un mantra donc de guérison du soi, de l'humilité, de relaxation, paix et grâce. Donc, éveil, soit l'éveil. On va se mettre en position debout, les jambes légèrement écartées à la largeur du bassin. N'hésite pas à fléchir un peu les deux jambes. Tu vas relâcher les bras. Tu relâches bien les bras comme si ils étaient très très lourds. De garder le dos quand même à plat, donc ni creusé ni arrondi. Essaye de rester à plat. C'est pour ça, privilégie les genoux légèrement fléchis, les pieds bien ancrés dans le sol et la tête toujours dans l'alignement de ta colonne vertébrale. Et les bras, tu les relâches. Donc, tu relâches aussi donc, au niveau des épaules. Et inspire, expire. Installe-toi dans cette posture confortablement installée. Et une fois que tu te sentiras prêt, tu pourras chanter le mantra. On va rester 3 minutes dans cette posture.
Si tu n'oses pas le chanter avec la voix, tu le chantes intérieurement. C'est de garder les yeux fermés, les bras très lourds. Les yeux fermés, connectés au troisième et les pieds bien ancrés dans le sol. Sur ton ventre et on va se mettre dans la posture du cobra. Étends les deux jambes à l'arrière, place-toi sur les coudes, redresse le haut du corps et surtout pousse bien dans le sol pour éloigner toujours les épaules de tes oreilles. Si tu peux, tu tends les bras, sinon tu restes sur tes coudes. Surtout, tu sens que tu pousses dans le sol pour éloigner les épaules de tes oreilles. Le menton légèrement rentré, le regard tourné vers le troisième œil. Confortablement installé dans ta posture. On va l'avoir en plusieurs temps. On va finir sur cette posture, donc du cobra. Donc on va toujours chanter donc Guru, Guru, Wahe Guru, Guru Ramdas Guru. On va le faire donc pendant une minute ici, en statique. Puis on va tourner la tête, on va essayer de tourner la tête en chantant, puis frapper des pieds en chantant aussi. Et donc on l'a en trois temps, statique une minute, en tournant la tête, puis avec les pieds. On est parti, toujours la même version de Guru, Guru Wahe Guru. Guru, Guru, Wahe Guru, Guru Ramdas Guru. Bien la poitrine. Guru, Guru, Wahe Guru, Guru Ramdas Guru.
encore en statique. Gonfle bien ton dos, tes épaules, tes reins. Expire, dégonfle. Encore inspire. Expire. Les mains près de ton visage, inspire, redresse le haut du corps. Paume des mains vers le ciel, les yeux fermés, observe les sensations dans ton corps, dans ta tête. Et tout doucement, tu vas pouvoir t'installer pour la relaxation. N'hésite pas à te couvrir le haut du corps, les extrémités. Donc la relaxation et on enchaînera avec la méditation du Satnam. Installe-toi, prends ton temps. N'hésite pas à te couvrir surtout. Une fois que tu es allongé confortablement en Shavasana, donc tu écartes tes bras, écarte tes paumes des mains vers le ciel. N'hésite pas à tourner le menton sur la droite, le menton sur la gauche pour bien trouver l'axe de ta colonne, de ta tête alignée à ta colonne vertébrale. On ne se rend pas bien compte, mais on peut avoir un petit décalage, la tête
et pas forcément droite, donc n'hésite pas à tourner un petit peu la tête. Et à sentir que ta tête est bien au centre. Sens que tu allonges au niveau de l'occipital. Ouvre en grand ta mâchoire, libère ta mâchoire. Laisse rentrer l'air et sortir l'air de ta bouche par cette grande ouverture de la mâchoire. Encore, aspire l'air par ta bouche. Expire l'air par ta bouche. Laisse-toi bâiller si tu sens les bâillements arriver. Et relâche. Dernier effort. Tu inspires, tu étires la pointe de tes pieds, tu contractes tes jambes jusqu'aux fessiers. Tu extires les points de, enfin, les doigts. Ferme les poings, contracte tes bras jusqu'aux épaules. Contracte bras-jambes, contracte sphincter, périnée, nombril, les cuisses de la racine. Et contracte les muscles de ton visage vers la pointe de ton nez. Contracte ton front, des joues, ta bouche. Tu maintiens l'inspiration, tu restes. Et lorsque tu sens que tu dois relâcher, que tu n'en peux plus, tu relâches en soufflant fort par la bouche, en relâchant tout d'un coup sec dans le sol. Relâche. Et on refait une deuxième fois. À ton rythme. Inspire, tire la pointe de tes pieds, contracte tes jambes jusqu'aux fessiers. Étire les doigts, ferme le poing, contracte les bras jusqu'aux épaules, contracte sphincter, périnée, nombril, contracte les muscles de ton visage vers la pointe de ton nez, maintiens l'inspiration, reste. Et lorsque tu sens que tu n'en peux plus vraiment, que tu dois relâcher, tu relâches en soufflant fort par la bouche, en relâchant tout dans le sein. Relâche. Ton corps est lourd, très lourd. Relâche tes pensées. Porte ton attention sur tes pieds et tes jambes qui reposent dans le sol. Relâche tes talons. La plante de tes pieds. Les orteils. Le dessus de tes pieds, tes chevilles, tes tibias, tes mollets, tes genoux, l'arrière de tes genoux, tes cuisses, le dessus, le côté, l'intérieur de tes cuisses, tes pieds, tes jambes. Sont détendus. Porte ton attention sur ton bassin qui repose dans le sol. Relâche tes organes génitaux. L'aine gauche, l'aine droite. Ta hanche gauche, ta hanche droite. Ta fesse gauche, ta fesse droite. Ton sacrum. Tout ton bassin. Est détendu. Porte ton attention sur ton dos, ton buste qui repose dans le sol. Relâche tes lombaires. Ta colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, de bas en haut. Tes reins. Tes omoplates. Tu relâches tes intestins, ton nombril, ton système digestif, tes côtes, ta poitrine, tes poumons, ton
cœur. Ton buste et ton dos sont détendus. Porte ton attention sur tes mains et tes bras qui reposent dans le sol. Relâche la paume de tes mains, chaque doigt de tes mains, le dos de tes mains, tes poignets, tes avant-bras, tes coudes, l'intérieur de tes coudes, tes biceps, tes épaules, tes bras et tes mains sont détendus. Porte ton attention sur ton cou. Relâche tes cervicales, ta nuque, tes trapèzes, ta thyroïde, tes cordes vocales, ta gorge, tout ton cou. Aide étendue. Porte ton attention sur ton visage, ta tête, le poids de ta tête qui repose dans le sol. Relâche ton menton, ta mâchoire, ta langue, tes lèvres, tes joues, tes oreilles, tes narines, tes sinus, le dessous de tes yeux, les muscles de tes yeux, tes paupières, tes sourcils, le troisième œil, ton front, tes tempes, tu relâches ton cuir chevelu, l'arrière de ton crâne, le sommet de ton crâne, tout ton visage et ta tête sont détendus, tout ton corps, elle est tendue.
Tout doucement, progressivement, tu viens bouger tes orteils, tes doigts, tes pieds, tes mains, tes chevilles, tes poignets. Tu viens les deux pieds joints, les deux mains jointes au-dessus de ta tête. Tu inspires, tu étires tes épaules, tes pointes de pied. Et tu expires, tu plies les coudes, les genoux, tu te tournes sur le côté droit en position du fœtus pour rester encore quelques instants dans ta relaxation. Tout doucement, progressivement, chacun son rythme. Tu peux revenir sur ton dos, active les plantes de pied, les paumes des mains, les frottant les unes contre les autres. Entrelace tes deux jambes avec tes bras, berce-toi sur ta droite, sur ta gauche. Place les mains à l'avant de tes genoux, petite rotation dans un sens. Puis dans l'autre sens. Soit tu roules sur ton dos arrière-avant, soit tu passes sur le côté droit pour revenir en position en tailleur. Inspire à l'arrière, expire à l'avant. Si tu roules sur ton dos, fais-le plusieurs fois jusqu'à avoir suffisamment d'élan pour revenir en position en tailleur pour la méditation. En posture confortable, donc n'hésite pas à te mettre sur un coussin. Pendant 5 minutes, nous allons nous faire la méditation du Sat Nam. Sat, on va sentir, ha, j'absorbe le nombril. Sat Nam. Nam, je relâche le ventre. Sat, j'absorbe le nombril, je le plaque contre les lombaires, contre le sacrum. Nam. Sat Nam. Sat Nam. La mâchoire et la langue aussi ont un rôle à jouer. Donc le Sat, je viens frapper la langue contre palais. Nam, nam, je relâche bien la langue et la mâchoire. Sat, je tire la bouche vers l'arrière. Nam, je relâche. Sat, nam, sat, nam, nam, je reflappe la langue contre le palais, mais en mode détendu, évidemment. On va entrelacer donc les doigts, sauf les index qui vont rester vers l'avant. Pour les hommes, vous allez avoir le pouce au-dessus, le pouce gauche au-dessus du pouce droit. Pour les femmes, on aura donc le pouce droit au-dessus du pouce gauche. On va tendre les bras ici, donc au niveau des oreilles. Essayez de sentir comme si on pouvait se boucher les oreilles pour que les omoplates soient relâchées à l'arrière du dos. N'hésitez pas à tendre les bras. Donc, évitez d'aller trop vers l'arrière, évidemment, ça va être trop dur. Donc, quitte à être un petit peu vers l'avant. Alors, évitons d'être voûté aussi. Hein. Essayez quand même de mettre un petit peu donc, de tonus pour engager donc, toujours Mula Bandha, donc sphincter périnée nombril ou l'écluse de la racine. Hein. Donc, en sentant quand même qu'on concentre notre énergie en contractant sphincter périnée nombril. Donc, le dos bien droit et on bouche les oreilles si possible avec nos bras. Pour les femmes, le pouce droit au-dessus du gauche. Pour les hommes, le pouce gauche au-dessus du droit. Donc, en position, les yeux fermés, connectés au troisième œil. Sens que tu es dans une posture confortable. N'évite de bouger, évidemment, pendant la méditation. Inspire profondément. Expire profondément. Et ensuite, on est parti ensemble. Sat, nam, 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 sat, nam. Continue. Sat,
Nam. Connecte au troisième œil. Sat. Nam. 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 Verrouille bien les bras. Sat. Nam. 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 Dernière minute. Sat. Nam. 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 Les trois derniers. Sat. Nam. Sat. Nam. Le dernier. Sat. Nam. Inspire, tire les bras vers le ciel. Et tout doucement, expire, tire les bras loin derrière, rotation des épaules. Relâche au niveau de la nuque, des cervicales, relâche bien la tête. Bouge légèrement les épaules. Arrondis le dos, ouvre le dos. Frotte les deux paumes des mains.
Active l'énergie de tes paumes des mains. Frotte, 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 frotte. Une fois cette énergie bien activée, tu viens la placer devant ton visage. Ouvre tout doucement sur les côtés, et toi au niveau de tes oreilles. Pose les mains sur ta nuque, relâche ta tête. Tout doucement, tu redresses ta tête, laisse glisser les deux paumes des mains à l'avant de ta poitrine. Connecte-toi à ton être intérieur, au battement de ton cœur. Observe les sensations dans ton corps, dans ta tête. Fais le bilan de ton état physique et émotionnel ici et maintenant. Place un sourire dans ton ventre et sur ton visage. There's a long-time sun shining on you. And all the love's around you. And the pure light deep within you. Guide your way on. Et nous allons prendre une grande inspiration et sur l'expiration, nous allons chanter le Sat Nam. Inspire. Ensemble. Sat Nam. Inspire. Ensemble. Inspire. Ensemble. Ça. Les deux paumes des mains jointes, tu te penches vers la terre, relâche la tête. Remercie l'univers, la planète, la nature. Envoie plein de pensées positives à l'humanité tout entière, à ta famille, à tes amis, aux êtres qui te sont chers. Remercie ton corps et ton esprit d'avoir été ici et maintenant pour toi. Si tu as un souhait à envoyer à l'univers intérieurement, c'est le moment pour toi de le faire. Les deux paumes des mains jointes, tu inspires, tu te redresses et on se salue. Sat Nam. J'ai coupé l'enregistrement. Hop.